Bienvenue au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. C'est le plus gros cimetière au Canada. Il a été fondé en 1855 et il compte plus d'un million de défunts. À travers un cimetière comme celui-là, on en apprend beaucoup sur l'histoire d'une ville et même d'un pays. Comme avec ce monument de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est aussi le monument inaugural du cimetière. Ou ici, ce monument aux patriotes qui sont morts pendant la Révolution de 1837. Au cimetière aussi, on retrouve des hommes politiques importants qui ont marqué l'histoire du Québec et de Montréal. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, c'est aussi des célébrités, certaines qui sont mortes il y a plus de 70 ans, et d'autres beaucoup plus récemment. Certains ont enflammé le Québec par leurs performances sportives. D'autres ont laissé une poésie intemporelle. Certaines célébrités sont beaucoup plus personnelles. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, comme Montréal, est très multiculturel. Et on voit que même après la mort, les différences de statut social s'affichent encore.